Et salutations à toutes et à tous, c'est Doc, et on se retrouve de nouveau pour Hogwarts Legacy, là où on s'était quitté. Hop, une petite feuille pour le guide du sorcier. Donc nous sommes dans les fameux cachots. Pourquoi on peut pas accéder à ça? Regardez, bon déjà il y a un coffre là-haut, donc on va aller chercher de ce pas. Mais je me demande comment on accède à cette salle. Alors ici c'est pour aller à la salle de la carte. Je suppose qu'il faudra accéder à cette salle par ici. Ok. Alors, donc au niveau des quêtes, nous en sommes où? Donc on a un cours de ballet. Obtenir une potion de concentration, obtenir maxima, Ritus. Ouais, on pourrait faire ça. Mais on va d'abord faire le cours de vol. Ça a l'air quand même beaucoup plus intéressant. Du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir notre propre ballet. Ce qui va nous permettre de... bah, voyager plus rapidement sur la map. Ah. Oups, encore une page du guide. Ah, j'ai entendu un ting. Installer un mode parce que désormais il y a des modes qui sont sortis récemment pour booster un peu les FPS. Rebellion. Voilà, c'était ici que j'avais été mis en place. Il y a nous. Par ici je crois. Non, par là. Ça doit être au-dessus. Ah oui, ça doit être ça, je suppose. Non. Bon bah j'entends toujours un ting, mais bon. On va plus se concentrer sur la quête, hein, évidemment. On va aller à notre cours de ballet. Non, pas par là. Ah. On est dehors, évidemment, pour un cours de ballet, ça semble logique. Ah, tout est déjà prêt pour le cours de ballet, il n'y a plus qu'à attendre. Ah bah, tout le monde a son ballet. Attrapez tous un ballet, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquets, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Merci. Bien. C'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Merci.
c'est... Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Il va falloir que je m'habitue. Je veux les revoir en un seul morceau. Je crois que je commence à comprendre. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord ? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Oh, quelle vue ! Bonjour ! C'est comme vous. Belle journée pour voler. Génial ! Ça fait vraiment quelque chose au cœur de, d'enfin pouvoir prendre le balai. Le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Ah bah oui, partir en première année, c'est toujours comme ça. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. Ah. Ah c'est vrai, ça, ça va changer la vie. Hein. C'est plutôt amusant. Qui a-t-il là? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. Tu as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Oh. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Everett Clopton. Je pense qu'une pouf souffle comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Tu as piqué ma curiosité. Tu pourrais m'en dire plus? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. Voilà. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? J'avoue. Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pouf Souffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Oh, comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. J'adore cette sensation. Ah oui, trop bien. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Oh. Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. Ferait mieux de revenir en vitesse. Eh, je veux pas aussi vite que toi, moi. Le tour est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oups. Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Et merde. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous... Vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez.
Malgré tout, vous avez bien volé. Elle est quand même sympa avec moi. Si on va dire que c'est la première fois que je suis turbulent, à son cours. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. Ce détour-là valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albi Wicks chez Beauballet à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Un défi réussi. Alors, quête. Ah bah. Alors, tenue renforcée légendaire. Elle ressemble à quoi déjà? Non, équipement. Ouf, ouf. Je préfère comme celle-ci. Mais attendez, j'ai un autre défi aussi encore. Ah non, c'est juste qu'il n'y avait pas d'exclamation dessus. Alors. Oh, le terrain de Quidditch. Et du coup, ouais, j'ai pas encore de balai. Donc il faudrait que j'aille à Préolard, si j'ai bien compris. Donc on va aller à Préolard. Oui, j'y suis déjà. Le balai, c'est là. Après, il faudra aussi que j'achète une potion Maxima et d'autres potions. Pour faire le devoir. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Professeur Sharp. Y a-t-il jamais eu un bon signe ? Ah, une nouvelle tête. Yeah. Fantastique. Ah. Faut que j'aille vendre des choses. On va vendre là les choses au niveau du créateur. Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. On peut vendre. On vend tout ce qui est inférieur. Ah, ça c'est supérieur. Regarde. On peut vendre. Ça a l'air d'être inférieur, donc on le vend. Aussi. Et on si va je changer peux vous aider, de gore du coup. Ah justement des gore brun, des gants en cuir brun. Non mais il y a aussi des gants en cuir noir. Ah non c'est des gore roy... Ah gore royaux de Poudlard, ok. Le cuir marron ça va mieux avec la tenue. Ok. Donc on va vendre l'autre. Regardons un peu ce que nous avons en plus. Voilà. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Ça m'évitait d'avoir un chat. Et on va aller. Ah, une nouvelle tête. Fantastique. Bonjour, monsieur Wicks, c'est ça? Albi Wicks à votre service. Bienvenue à Beauballet. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? J'ai quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Vous avez du choix? Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Alors... Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Cet article est d'excellente qualité. Ah, balai de maison Poudlard. Une heure. Balai brise légère. Je sais pas. Cet article est d'excellente qualité. Tisseur d'if. Oh, celui-là, il est quand même beau. On va prendre celui-là. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Merci de votre visite. J'espère.
Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. J'écoute. Ah ! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'améliorations en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous ? C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci ! Ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. Ok. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Ah oui, interdit d'être dans les airs de preuve là. Ok. Ah, encore aussi. On ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wicks. Mais d'abord, il faut aussi que j'aille chercher des potions. Quelles potions pour le devoir du professeur Sharp? Alors, concentration, maxima, iridus et testé simultanément. Donc il faut que j'aille. J'ai potion pipin. Ah, j'ai eu un message dans le Hippo Express. Ok, une livraison. Oh, un nouveau sort peut-être. Oh, intéressant. Ah, mais j'ai aussi un message du professeur Sharp. Ok. Repulso. Du coup, j'avais dit qu'il me fallait concentration, maxima et iridus. Maxima, concentration et iridus. On va savoir. On y va tout de suite. On se prend pour la quête en même temps. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Une. Foutine, ça coûte cher. Iridus. C'est une sage décision. Merci. Concentration. Et maxima. Ça coûte cher, vivement que je puisse le faire moi-même. Je vais peut-être. Ouais, on va l'acheter. Si jamais. Alors, et je peux revendre ça. Très bien. Et ça. Il est toujours bon de renouveler ses stocks. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Et du coup, ce qu'on va faire, donc c'est Iridus et Maxima qu'il faut que j'utilise en même temps. Ah, mais j'en avais déjà eu une. Merde. Bon bah, on va aller au cours de professeur Sharp. Cœur de Poudlard. Ici, donc, salle de potion. Parce que c'est important d'avoir tous les sorts quand même. Vous avancez sur vos devoirs ? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prête à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Alors.
Repulso. Alors, ça donne quoi, Repulso? Vous avez fait bon travail. Je suis heureux de voir la séquence. Ok, sympa. Moi, je préfère quand même Akio. Garder Akio près de moi. Si vous regardez les choux mordeurs de Chine. Alors. Alors, on va aller. Allez, faire la salle sur les mondes. Plus tard, on fera... dans le prochain épisode, on fera la mission de Sébastien. Alors, on va se balader, hein. Parce qu'il faut au moins se balader un minimum, quoi, dans Poudlard. Faut respecter un peu le jeu. Ah, un chargement. Je trouve que avec le mode que j'ai installé pour la pour fluidifier le jeu, ça passe nickel. J'ai déjà mes FPS sont déjà beaucoup plus stables. Vous savez quoi, en même temps, on va prendre aussi la caisse secondaire ici. Hey, tu peux m'aider? Carte au trésor. Bonjour. Tu voulais me parler? Oui. Je me disais qu'en tant que pauvre souffle, tu aurais peut-être la persévérance nécessaire pour me suivre dans une aventure. Il s'agit de suivre une carte au trésor, pour être exact. Ça devrait te changer des trolls, j'imagine. J'ai demandé à Poppy si elle était intéressée, mais je n'ai pas réussi à l'arracher à son boursouf. J'ai trouvé deux cartes, et les deux mènent à des endroits situés près de Poudlard. Tu voudrais bien y jeter un œil? Suivre une carte au trésor de Poudlard? J'en suis. Fantastique! Poudlard me fascine. Tu peux garder ce qui se cache au bout de la carte. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir où elle mène. Très bien. J'y jetterai un coup d'œil quand j'aurai le temps. Très bien. Si tu trouves quoi que ce soit, reviens me voir ici. Attendez, j'ai vu... Non. Ok, je l'ai. Et par contre, je vais remettre la... de la salle sur demande. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Bon réflexe. Je vais juste mettre ces deux boss. Si sait-on jamais. Alors c'est ici. Réveillons. Brief sorcier. Professeur Weasley? Il vaudrait mieux éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Allons-y. Après vous, professeur. Aller avec un professeur dans une salle sombre, mauvaise idée. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur, tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Révélio. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chic? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chic, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez.
Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Oh, c'est quand même magnifique. Et grand. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Ok, un nouveau sort. Ah, ça devait être plutôt plus compliqué. Le truc, je sais plus comment on appelle ça. Alors. Superbe. Maintenant. Evanesco. Evanesco sur ses chaises. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Revelio. Lumos. Par Merlin. Où se trouve cet elfe? Ah, quelque chose à récupérer ici. Est-ce bien? Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chip ne devrait plus tarder. Ok. Oui, professeur. Bon, bah, on va explorer. Bonté divine, pourriez-vous faire moins de bruit? Certains d'entre nous essaient de se reposer. Revelio. Lumos. Ah, faut prendre Accio. Pour aller chercher ce coffre. Il y a un petit côté Assassin's Creed quand même, hein, dans ce jeu. Un meilleur chapeau. Je sais pas, j'hésite. Non, je vais remettre ce chapeau là. Il va mieux avec la tenue, je trouve. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Lumos, Revelio. Ah. Non, pas. Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Lumos. Alors, Evanesco. Ok. Oh, si dans la vraie vie on pouvait faire ça. Oh. Oh, ça serait tellement pratique. Toilette fonctionnelle. Oh merde. Revelio. Oh. Ah là là. Mais c'est quand même beau. Hein. Regardez-moi ça. Oh. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Revelio. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution. Ça, je suppose que je dois le déplacer. Ah, il y a un coffre là-bas, ok. Donc... je suppose que je dois faire ça, ça. Je peux pas y ask, c'est bon. Ok, ça, bah, c'était le guillemot en plus quoi. J'ai oublié quelque chose ici. Ah. Putain. Ces plantes, elles vont quand même me faire tiquer à force. Ah, ah ça c'est une chouette écharpe, je garde. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Lumos. Hmm.
Ah bah, je suppose que c'est Chic. Hé, hey, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici, Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma deuxième année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chic a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potion. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux. Et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. Je suis en extase. La salle fera le reste. Et là, il se passe rien. Oh ! Ah oui, d'accord. Ah oui. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Lumos. Excellent. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Ok. Je n'ai rien à identifier, du moins, pas pour l'instant. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. J'imagine que le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Invocation ? Oui. La magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Oh, on va pouvoir faire du housing. Bon, ça, je le ferai hors de vidéo, évidemment, le housing, je pense. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin ? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître. Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer ? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Ok. Alors. Donc c'est ce sort-là. Moi je vais peut-être le mettre en dernier.
Alors. Ah bah oui, du coup, vu que j'en ai déjà acheté. Bon, on va mettre la version botanique, vu qu'on est une pauvre souffle. On va mettre. Allez, on va mettre là. Alors. Et. Table de rempotage. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions après au lard ou dans la nature. Que... Ah oui, ok. Donc c'est ça qu'on avait acheté tantôt. Et ça génère des pierres de lune. Est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Ah bah, écoutez, on va faire ça. Hein. 10 minutes quand même. C'est un peu long quand même, 10 minutes. Par contre, on peut utiliser la table de rempotage pour mettre des plantes de dictam et faire des potions ou winkelwind. Tout ça, c'est que quelques secondes. Mais par contre, attendez, on va faire ça. Bon, on va attendre qu'elle se termine et on va la remplacer par une que j'avais acheté, une plus grande. Alors, ramasser. Ok, on fait ça. Alors. Et ce sort là. Et donc ouais, on a bien deux postes de potions du coup. Sur les potions Wingerwell, il va falloir que j'en utilise à blend. Alors. J'aimerais commencer la leçon suivante. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Évidemment, revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. On va commencer. Ah ! Alors. Qu'est-ce que je peux faire disparaître, moi ? Bon, je vais faire disparaître le tableau. Voilà. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Ah. On est obligé de passer et mettre tout ça. On va reprendre le même principe ici. On va mettre quelques tableaux. Et on peut changer la taille évidemment. Super. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre sur le mur. Ah bah oui, des miroirs évidemment. Du coup, on va remettre d'autres tableaux. Hein. Quoi d'autre comme tableau qui existe? Oh, un nifleur, nifleur, nifleur. Ce tableau-là, il le faut. Voilà. Bon, décoration du sol maintenant. On va mettre. Bon, tapis de botanique là. Ah, petit, la taille elle. Bon, on va le mettre un peu plus petit. On va le mettre juste ici en dessous. Voilà. On va. Est-ce que j'ai des choses? Oui, j'ai ça. Oh, j'aime bien ça. Ici. La lumière
d'autres décorations. On a des tables. Pas de statue, on a des chaises. Oui, évidemment, on avait acheté ça. Ah oui, on avait aussi acheté ça. Pas grand chose hein, comme déco. Je suis déçu, mais il y a tout ça récupéré. Ah, il y a même des récompenses de quête, ok. On va continuer à mettre des lumières. Hein. Beau travail. Si nous passions à la suite. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. Okay. Oufti. Ouh, j'aime pas celui-là. J'aime pas en fait quand c'est des lignes droites. Hein? Visez un objet. Baguette magique. Et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Ah merde. Non pas ça. Ça. Ok, donc je peux personnaliser. Je peux aussi changer la couleur. Et je peux changer la taille. Beau travail. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Alors, ce que je vais faire du coup... Là. On est Poufsouf, donc on met botanique. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas ? Chic, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chic il y a des années. Chic pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chic quand vous voudrez commencer. Ok. Ah, on peut changer ça aussi. Oh, tout bénef. Changer en fait. On peut changer. Ah oui, on peut carrément changer la couleur. Oh ben, je vais vraiment faire une salle en mode pouf souffle en fait. Là, ma salle sur demande, ça va vraiment être une salle en mode pouf souffle. Changer aussi la couleur. C'est trop bien. Non, ça. Couleur. Oh oui. Mais c'est terriblement bien ce jeu. Le housing là. Attendez. On peut changer ça aussi. Ah, c'est déjà changé. Il y a d'autres trucs à changer, non, c'est bon. Ah. Voilà. Ça me paraît bien comme ça. Ah mais il y a peut-être le... Oh oui, on peut changer ça. Mais oui monsieur. Pouf souf forever. On est bien comme ça, je pense. Ici, les couleurs se sont bien appliquées, je crois. Non, 4. Lumos. Les couleurs se sont bien appliquées. Mais c'est nickel. Mais du coup, attendez, on va juste remettre... Si on peut se le permettre, oui, on peut. Ça. Parce que ça a l'air... C'est très important, il y a l'air. Pour la suite...
faire, hein. De toute façon, je peux en faire que deux. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Naturel. J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Oh, sympa l'environnement. Change un peu. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet. Peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Ça, c'est typiquement un truc qui va me faire rester très longtemps dans la salle sur demande. Ah, une nouvelle salle. Ah, mais je vais faire de cet endroit-là, alors, la botanique. Comme ça, je peux faire en sorte d'avoir un endroit principal et un endroit secondaire. Oh, les animations, elles sont tellement bien faites. Bordel. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créasorts. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Bah écoutez, je ferai ça sûrement hors caméra. Et c'est ce qui signe la fin de cette vidéo, parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. On va juste aller ensemble changer un petit peu la déco. Parce que évidemment, oui, je me disais bien, rien n'a été paramétré comme je voulais. Voilà. Ça c'est fait. Ça, bah toujours en botanique évidemment. Hein, ça. Cette touche là. Oh, c'est tellement beau. Ouh, tout qui change de coup. C'est bien botanique ça, oui. C'est bien botanique, ça botanique. Le plafond en botanique, on va le mettre. Oh. Alors. Et ça, je suppose que ça n'a pas l'air d'être botanique. Voilà. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est enlever tout ça pour faire de l'espace pour pouvoir faire un endroit spécial potion et de l'autre côté un endroit avec puis de la botanique justement. En plus comme ça je récupère des pierres de lune, ce sera très pratique pour la suite. Et bien voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. On se retrouvera pour la suite dans le prochain épisode demain. Donc le prochain épisode, on va faire la quête, la fameuse quête que Sébastien m'a envoyée. Ça va vraiment être pratique. Est-ce que je peux l'enlever du coup maintenant? Oui, et ça je peux bouger. Ah oui, je peux bouger même en fonction. Ça c'est cool, ça c'est vraiment bien. Mais bon, on va se retrouver donc pour la prochaine vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, ce sera celle-ci et peut-être celle-ci pour avoir 10 fines d'eau. Et on a aussi celle-ci qu'il faut faire. Enfin, il y a tellement de choses à faire en fait. Mais il faut éviter de s'éparpiller. Donc tout ça, ce sera au prochain épisode. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo.
à la partager si elle vous a plu, à la commenter évidemment, ça ferait vraiment du bien pour la chaîne et pour qu'on continue tout ça ensemble. Allez, c'était Doc, à plus.